What? Tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News à propos de GTA V et de nouveaux screens qui ont été apparus en fait sur le site de Rockstar Games. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en fait, si vous voulez visiter un peu la page avec tous les screens et tout, de toute façon, je vais vous le faire apparaître en fait sur l'écran, une quinzaine d'images environ, des screens de pas n'importe quoi, puisque c'est des screens en fait sur la nouvelle plateforme qui va arriver, qui a été retardée d'ailleurs, qui va arriver en fait finalement sur la plateforme PC, donc ça fait assez plaisir. Et d'ailleurs, en regardant ces images là, chaque image, on peut vous distinguer déjà certaines grosses modifications. Alors c'est vrai que le fait de montrer des images et tout, c'est bon, c'est, on va dire, un guise aussi, voilà, ils sont un peu désolés en quelque sorte. Mais par exemple là, cette image qu'on peut voir sur l'écran, on peut voir donc Michael avec l'arme. On peut d'ailleurs voir, c'est super détaillé au niveau de l'arme, au niveau de la, c'est sûr que sur PC, enfin, ça va demander, pour l'instant, c'est une grosse question qu'on se pose au niveau des caractéristiques, mais lorsqu'on pourra jouer sur PC et qu'on aura un peu, on va dire, la capacité de pouvoir jouer au niveau un peu maximal, eh bien, ça va vraiment donner de super belles choses. Et comme ici avec Michael aussi dans la voiture, derrière il y a Franklin et à gauche, on voit Trevor devant, enfin juste à côté de Michael. On peut même voir un peu la fluidité, par exemple, au niveau des véhicules, on voit que ça brille et tout, qu'il y a des... Enfin, c'est juste... C'est super joli. En fait, c'est des petits détails là, parce que sur PC, il n'y aura pas plus de choses que sur PS4 ou Xbox One, par exemple. On aura toujours cette première vue, on aura aussi le DLC braquage qui arrivera, enfin, qui sera directement aussi intégré sur la plateforme PC. Donc, en termes de richesse de jeu, c'est à peu près la même chose, sauf que la qualité d'image, elle va énormément changer. Il y aura beaucoup, beaucoup de changements de fluidité, par exemple ici avec l'éclair et tout. Enfin, il y aura vraiment de plus belles choses, mais attention, après il faut vraiment avoir la possibilité, la capacité, enfin avoir le bon ordinateur pour pouvoir en fait se connecter. C'est d'ailleurs ce qu'on peut constater aussi sur le site de Rockstar, où plein de gens posent des questions à Rockstar en disant bah quelles sont vraiment les caractéristiques maximales ou voire minimales aussi quelque part, hein, parce qu'il y en a qui aimeraient bien jouer et qui pourront peut-être pas jouer parce que ça demande vraiment trop de performance, enfin voilà, trop de choses à l'ordinateur, et l'ordinateur, enfin au niveau de la carte graphique et tout, elle pourra pas tout gérer, et puis après ça peut faire trop de surchauffe et tout, et ça peut vraiment abîmer votre ordinateur. Donc faites attention, je vous donnerai dès qu'on aura plus d'informations au niveau des caractéristiques et tout. Bon, c'est quelques petites images, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page personnelle. Merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, peace out.